de fouler les pieds de ce nouveau lieu culturel, qui est un des premiers cinémas du monde. Je trouve que symboliquement, ça le fait bien. Voilà, je suis très, très honoré, très flatté de faire partie de cette commission qui va fouler les pieds de cet ancien théâtre-cinéma restauré. Donc j'ai hâte de voir comment ça a été fait. De bataille, 32 ans de larmes, de sang, comme dirait Winston Churchill, c'est le plus beau monument de la Ciotat. Je crois que même les Américains nous enviraient. Un théâtre au départ, qui est devenu cinéma avec ses balcons à l'italienne. Mais je trouve ça magnifique, c'est très émouvant de venir dans cette salle. Je la trouve très belle, mais moi j'aime le rouge, donc c'est propice pour aller voir des films. Parler devant Olivier Dahan, donc, qui a réalisé La Môme et Les Seigneurs, et maintenant il vient de réaliser Grâce Kelly avec Nicole Kidman. Ouais, c'est vrai, je l'ai dans cette salle quand j'avais 8 ans. Ah, elle a changé. Non. Non, c'est bien fait, je crois. C'est bien. Il y a pas un ou deux films par semaine. Ah oui, déjà. C'est l'embout, c'est pas ce que vous avez vu dans le film, mais c'est l'embout donc de l'arroseur arrosé. Voilà, et ça c'est une valeur sentimentale. Et ça vaut beaucoup d'argent. Et comme il y a les impôts qui arrivent le 15 octobre, le tiers professionnel, je me suis dit, si j'en coupe des petits bouts à 1000 euros, je pense que je pourrais arriver à voilà. Donc voilà, c'était une petite boutade, simplement pour vous remercier tous d'être ici, au nom de la profession. C'est superbe, c'est magnifique, ça finit en plus avec le rideau rouge et les trois lettres fins, c'est un très beau spectacle, c'est très réussi. Bravo la Ciotat, bravo l'Éden.